Quelle magnifique journée! Le soleil brille, l'eau est d'une clarté absolue, les coquillages sont sortis. J'adore le silence. Tu ne pourrais pas baisser un peu le volume? J'arrive pas à travailler avec un bouton pareil, moi! Oh, excusez-moi, je ne le referai plus. Oui, bien sûr. Oui. D'accord. Bon. Et maintenant, je vais avoir le privilège de vous jouer un air de jazz avec ma toute nouvelle clarinette. Merci, merci, merci. Je croyais t'avoir... Waouh ! Hé, le calamar ! Tu veux jouer à faire des bulles ? Je te ferai un prix d'ami. Ouais, c'est ça, comme si j'étais du genre à gâcher 5 secondes de ma vie à faire des bulles avec toi. Oh, je t'en prie, quel est l'imbécile qui paierait pour faire une bulle? Bonjour à tous. Oh non. Soyez le bienvenu, monsieur. Ça vous dirait de faire une bulle? Ça dépend du prix. 25 cents, c'est tout. Ça me semble raisonnable. Tu peux me prêter 25 cents, s'il te plaît? Bien sûr, Patrick. Ah, merci, ça me suffit. Voilà. C'est une vraie. Ah, quel idiot, en plus il y croit. Je suis prêt à parier qu'il est là, pourtant. La sécurité d'abord. Cette fois, ça y est, je te tiens. Honnêtement, je ne connais rien de plus délicieux que du lait de méduse. On dirait de la marmelade. Bon, à plus tard. Oh, oh. Oh, mes lunettes. Merci, c'est gentil. Salut. J'ai pas le temps de jouer avec toi, il est tard et je dois rentrer chez moi. Non, tu peux pas rentrer avec moi. Ça suffit, tu dois rester dans la prairie. Hey! Voilà. Reste là. Ça suffit. Pour la dernière fois, tu ne peux pas venir avec moi. Oh, et puis zut. Carlo! Hey, Carlo! Carlo! Y a quelqu'un? Ah, te voilà. T'as vu ce que je ramène? C'est pas un chien, c'est un petit animal sauvage. Eh non, c'est faux. Tu veux une preuve? Attrape! Concentre-toi et dis-moi combien j'ai de doigts. Fais le mort! Même si cet animal savait aller sur le pouls, jamais je le laisserai entrer dans ma maison. J'aurais mieux fait de me taire. Bon, allez, salut! Si tu nous cherches, on sera chez moi. Salut les garçons! Qu'est-ce qui se passe? Tu vends tes antiquités? Non, Sandy, je distribue tous les objets que je possède avant de partir vivre avec les petites méduses. De toutes les idées farfelues que tu as eues dernièrement, celle-là bat sans doute tous les records. Ces bestioles sont froides, idiotes et très méchantes. Oh, Sandy, c'est exactement la réflexion que j'attendais de la part d'une personne qui vit dans un univers confiné et fermé comme le mien. J'ai envie de me prouver que j'ai pas besoin de gadgets pour être heureux. Un jour, tu viendras peut-être me rejoindre, qui sait? Au revoir!